saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous sommes vraiment reconnaissants à l'égard de notre Dieu pour ce privilège. D'avoir permis à ce que nous puissions arriver dans la province de Kasaï pour répondre à cette invitation. Et je remercie aussi sincèrement encore une fois de plus le révérend pasteur André Vibidila. Pour la confiance qui nous témoigne de pouvoir nous aligner parmi ces éminents prédicateurs dans cette manifestation. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Qui bénisse aussi tous les conseils de l'Église. Nous pensons au conseil des diacres. Conseil des administrateurs, surintendant de l'école des dimanches et tous ceux qui travaillent au tabernacle de Mbujimayi, que Dieu vous bénisse. Bien, alors je vous demande de vous lever. Nous voulons réellement rester dans l'esprit du thème qui nous a été donné par le pasteur. Concernant ce thème qui est les jeunes face aux défis de l'âge. Alors le pasteur avait dit que chaque prédicateur puisse prendre les trois sujets. La mondanité, l'impudicité et la désobéissance. Alors le Seigneur nous a conduit à prendre pour ce matin sur la mondanité. Ainsi, ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates chapitre 1er. Nous disons Galates chapitre 1er, nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 5e. Nous commençons à lire. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Paul, apostolo, kaimu apostolo nengo apo fumina kudi bayanze bi abantu nash kudi muntu kadi mwikala nengo apostolo wa Yesu Kristo ni kudi nzambi tatu qui l'a ressuscité des morts. Bon, je lis un verset, quand je termine, vous lisez le même verset. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu, et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour les personnes qui sont un peu âgées. Nous continuons notre lecture. Nous prenons maintenant le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Donc, autrement dit, 2 Corinthiens chapitre 4. Nous commençons du verset 1 jusqu'au verset 5e. L'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret
Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Amen. On peut s'incliner pour un mot de prière. Mon ami Jésus, mon ami Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, mon ami. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je ne suis pas moi, je ne suis pas seul, ami. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je ne suis pas seul. Oh mon berger, Jésus est mon berger. Jésus est mon berger. Moi, je ne suis pas moi, je ne suis pas seul. Berger, Jésus est mon berger. Jésus est mon berger. Je ne suis pas seul. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Combien, Seigneur, nos cœurs se sont courbés devant toi de savoir ce que tu as accompli pour nous ces jours-là au calvaire. Seigneur Jésus, tu n'as pas considéré la condition de chacun de nous. Mais toi-même, Seigneur Jésus, tu as décidé de venir pour nous racheter. Nous n'avons rien à pouvoir te donner en retour, Seigneur. C'est ainsi que nous nous offrons nous-mêmes à toi comme des sacrifices vivants, agréables, car c'est ce qui est un culte raisonnable. Seigneur, si nous sommes venus ici, c'est parce qu'en ces temps de la fin, tu as envoyé ta parole et tu as parlé au travers de ton prophète et il nous a transmis réellement ta pensée pour cet âge. Et c'est ce que nous voulons réellement aussi transmettre à ton peuple qui a accepté d'abandonner tout ce qu'il avait à faire. Maintenant, puisses-tu encore oindre cette partie de l'écoute de la parole. Veuille bien écarter l'individu du chemin
Puisses-tu assister aussi mon interprète, Seigneur, afin qu'il puisse vraiment être apte à transmettre correctement la pensée qui sera dite. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus, car nous sommes ton peuple. Merci pour ta prééminence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Que notre Dieu vous bénisse encore ce matin. Bien, nous disions que on avait reçu le thème de la part du révérend pasteur, qui est une préoccupation majeure dans cet âge. Mais avant de commencer cette petite prédication, d'abord j'aimerais lire une déclaration du prophète. C'est dans la prédication Un Guide, prêchée le 14 octobre 62, paragraphe 11. Notre prophète dit ceci: maintenant, j'aimerais lire ce soir un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Or, ce petit verset que nous lisons et auquel nous nous référons, il nous sert de base pour ce que nous cherchons à dire. Et toujours, je n'ai jamais une seule fois, je ne me rappelle pas être jamais monté en chair pour essayer de dire quelque chose juste pour dire quelque chose. Je m'efforce toujours d'attendre, de veiller, d'étudier, de prier jusqu'à ce que j'ai le sentiment d'avoir reçu quelque chose qui aidera les gens. Si je ne peux pas être une aide, pardon? Si je ne peux pas être une aide, même si moi qui kana jambulisha, alors il est inutile que je me tienne ici. Voyez-vous, c'est pour essayer d'aider. Nous sautons un peu. Nous essayerons de ne parler qu'à peu près 45 minutes sur quelque chose qui, j'espère, nous aidera. Aussi, je salue les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien, Frère Banham dit ici que lorsque nous montons ici en chair, nous les prédicateurs, c'est pour être utile au peuple de Dieu. On ne vient pas ici juste pour dire quelque chose, mais c'est pour parvenir à être une aide importante pour le peuple de Dieu. Alors, le sujet qui nous a retenu pour ce matin, c'est sur la mondanité. Excusez-moi, j'aimerais beaucoup lire les prophètes pour ressortir sa pensée sur ce point de la mondanité. Je m'efforcerai de faire moins de commentaires personnels, parce que réellement nous voulons communiquer, transmettre la pensée du prophète. D'abord, nous voulons savoir ce que Frère Branham pense de la mondanité pour notre temps ici. Si on peut dire à Frère Branham, Frère Branham, que sera le péché important pour cet âge-ci? Qu'est-ce qui est le problème majeur pour notre époque? Il nous répond dans la prédication: comment puis-je vaincre? Qu'il a prêché le 25 août 63. Suivez-moi attentivement bien.
Parce que nous cherchons à transmettre la pensée du prophète pour que nous puissions bien comprendre ceci. Nous sommes au paragraphe 145. Nous sautons pour gagner le temps. Il dit, chacun de nous est tenté. Nos sœurs sont tentées de faire demi-tour, de faire marche arrière et de se joindre à certaines églises, certaines assemblées ou plutôt aux églises de Dieu, ou à certaines d'entre elles tout en restant pentecôtistes. Et gardez vos cheveux coupés et vous habillez comme vous l'entendez. Voyez, vous êtes tenté de le faire. Vous faites demi-tour. Vous devenez populaire dans cette génération méchante dans laquelle nous vivons, alors que le péché principal de notre époque, si le péché principal parmi notre peuple, c'est la mondanité. C'est comme le dit la Bible, l'âge de Laodicée, il est mondain, riche, n'a besoin de rien, mais il ne sait pas qu'il est nu, misérable, malheureux, aveugle. C'est cela le péché de notre temps. Vraiment, montre que le péché actuel, le plus important pour notre âge ici, il mentionne clairement que c'est la mondanité. Le pasteur André a initié ou bien a organisé cette convention. Pas seulement pour ceux du tabernacle de Mbujimayi. L'invitation est lancée à toutes les églises. Et aussi par la grâce de Dieu, on est aussi suivi par internet. Le monde entier peut nous voir. C'est pour dire que notre auditoire n'est pas seulement vous ici, mais tout celui qui suit, il peut être aidé par ce qui sera dit ici. Alors, frère Mana montre que le péché majeur pour ces temps, c'est la mondanité. Les femmes dans l'église pentecôtiste méthodiste, elles s'habillent de n'importe quelle manière. Elles arrangent leurs cheveux de n'importe quelle manière. Elles peuvent se vêtir de n'importe quelle manière, juste peut-être pour être populaire. Et elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont déjà prises dans la mondanité. Pourquoi cela? C'est parce que la mondanité, c'est un esprit qui se saisit de tout celui qui n'est pas prudent et avisé. Alors notre souci majeur, c'est de pouvoir essayer de révéler la conscience de chacun de nous, pour essayer que chacun de nous puisse s'observer par rapport au miroir de la parole de Dieu. Alors nous parlons de la mondanité. Dans les dictionnaires, qu'est-ce que les hommes pensent de la mondanité? Le dictionnaire dit ceci: mondanité signifie goût des choses mondaines. Alors, que signifie mondain? Ils sont en train de dire ceci: ce qui est relatif à la vie de la société brillante et élégante. Relatif à la société qui brille, qui est élégant, beau aux yeux, autrement dit, qui est attrayant, qui attire l'attention, qui est de la tendance moderne. Amen. Amen. C'est ça qui est mondain. Suivez bien. On dit encore ceci: qui appartient au monde,
au siècle par opposition aux religieux. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Suivons bien. Qui est à l'opposition aux religieux? Relatif à tout ce qui touche à la vie de la société. Fortuné. Élégante. Par opposition au milieu populaire qui aime la vie de cette société. Or, Paul nous parle ici au verset 4 de 2 Corinthiens. Il a dit, dans le Dieu de ce siècle présent les a aveuglés. La mondialité, vous verrez que c'est quelque chose qui est lié à la tendance actuelle. C'est ce qui concerne le siècle présent. C'est ce qui attire l'attention. Ce qui est populaire. Ce qui est la tendance actuelle. Paul parle ici. L'aigle à l'époque passée, qui avait déjà vu ces choses, il avait dit, le Dieu de ce siècle présent les a déjà aveuglés et ils ne se rendent même pas compte à la lumière du message de l'heure. Frère Branham nous a montré qui est le Dieu de cet âge-ci. Frère Branham parle pour dire aujourd'hui beaucoup de personnes vont à l'église avec communauté assemblée pensant adorer Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Ils sont en train d'adorer Satan, le diable, sans le connaître. Amen. Amen. Ils adorent Satan sans le connaître. On veut savoir ceci. Qui est Satan? Satan, ou bien qui est le diable? Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Satan n'est pas un animal avec des sabots fourchus. Satan n'a pas de cornes. Il n'a pas une apparence avec une queue. Mais frère Bana me dit, Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Satan est un esprit. Comprenons cela bien. C'est un esprit qui n'a pas commencé à agir aujourd'hui. Il a commencé au ciel. Et remarquez bien ceci. Là-bas, pourquoi a-t-il été chassé? C'est parce qu'il s'est pris toujours par la ruse. Quand Satan commence à opérer, il n'apparaît pas comme ça. Il vient toujours par la ruse, toujours d'une manière sournoise, avec subtilité. Son but, son objectif, c'est de pouvoir aussi être égal à Dieu. Amen. Amen. Qui est Satan? Satan, Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est un esprit. Oh, qui est Dieu? La Bible déclare, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Point. Donc Dieu, c'est la parole. Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Maintenant que chacun commence à se positionner, tout ce qui n'est pas la parole, même si c'est beau, même si c'est attrayant, même si ça suit la tendance actuelle populaire, reconnaissez bien que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans tout ce qu'il dit. Frère Branham dit ceci. Hollywood brille
Hollywood, vous devez lancer ça. La mondanité brille. Pourquoi Hano, vous devez lancer ça. Mais l'évangile, lui. Quand dit évangile, l'évangile ne brille pas. L'évangile, vous devez lancer ça. Mais l'évangile, lui. Quand dit évangile, vous devez lancer ça. Amen. Amen. Satan s'est toujours déguisé en ange de lumière. Diabolo, ou toi, nous, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Quel est son but? Qui a-t-il le gendarme? Quel est son objectif qu'il poursuivait? Kalumbi le gendarme, d'où est-ce que tu es là? Écoutez bien, soyez attentifs. Il y a un thème. Dans le livre d'Esaïe, chapitre 14. Moumou Kandoye, chapitre 14. Je sens l'esprit me conduire autrement. Esaïe, chapitre 14. Esaïe, chapitre 14. Quel était le but de Satan? Qui a-t-il le gendarme que vous tiennes? Quel était son objectif? Esaïe chapitre 14, verset 12. La Bible déclare ceci. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'est ce que Satan disait en son cœur. Que le prophète Esaïe est en train de révéler au peuple. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité dans le séjour des morts. Tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. C'était ça son but. Être égal à Dieu. Oh, il n'y a qu'un seul créateur. Amen. Et c'est Dieu. Maintenant écoutez ceci. Dieu au commencement, son but c'était avoir un peuple qui devait l'appartenir. C'est ainsi qu'il a commencé d'abord pour faire son Éden. La Bible dit que tout ce que Dieu avait fait était bon. Il n'y avait rien d'imparfait. Tout était bon. Mais le diable, comme dans son cœur, il avait son but. Il voulait aussi atteindre son objectif d'être semblable à Dieu. Je suis rapide. Oui. Je ralentis un peu. Merci. Or Dieu signifie objet d'adoration. Le diable aussi veut être adoré. Mais pour se faire adorer, il s'y prend toujours par la séduction. Il utilise toujours la ruse. Soyez éveillés, peuple de Dieu. Soyez éveillés, peuple de Dieu. Ne manquez pas ceci. Il a toujours utilisé la ruse. Il vient dire à Ève. Satan prêche la parole. Il prêche la parole. Il connaît les écritures. Il est venu dire à Ève. C'est vrai, Dieu a dit que cet arbre, si vous voulez manger, vous mourrez. Mais remarquez bien, certainement vous ne mourrez pas. Et le fait que Ève a juste entendu ce pas là, c'est là que le problème avait commencé. Il n'a pas dit que je suis l'opposé de Dieu. Il récite la parole. Par la ruse, par la séduction, il entre et il parvient à avoir ce qu'il veut chercher. Église de Dieu, frère Branham dit ceci, que le diable est un vieux batailleur. Il connaît toutes les tactiques du combat. Et il a réussi à faire cela avec Ève. Par leur union sexuelle. Caïn était né.
Sa semence était maintenant sur la terre. Et tout le long des âges, on a vu comment est-ce que la semence du serpent avait opéré. C'est toujours très proche. William Branham dit ceci. Là où il y a l'esprit de Christ, l'esprit antichrist est toujours là. L'esprit de Christ et l'esprit antichrist sont toujours côte à côte. Écoutez bien, peuple de Dieu. Tabernacle de Mbujimayi. Tu as reçu le message de l'heure. Tu as reconnu la lumière du soir. On a reçu le prophète. La parole nous est apportée. Tout ce qu'on a comme mystère. Le parfait est venu. Comprenons bien que Satan est aussi là. Là où il y a la parole de Dieu, l'esprit antichrist est aussi là. Pour faire quoi? Pour œuvrer, travailler. Son but, on a lu ici, il voulait être semblable au Très-Haut. Être aussi adoré. Alors il s'y prend par la ruse. Maintenant écoutons les prophètes. Dans la prédication, la statue de l'homme parfait. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Que Dieu nous a créés, c'est pour être d'abord des fils et des filles de Dieu. C'est au paragraphe 65. Il nous a créés pour être des fils et des filles de Dieu. Il dit, si vous manquez ce but-là, donc d'être fils et filles de Dieu, vous avez manqué le but. Or, le mot péché signifie manquer le but. Péché signifie manquer le but. Tu n'as pas pu atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a placé ici sur la terre. Et en bas, il dit ceci. Si, comme il était chasseur, et qu'il était allé pour faire la chasse, et que son objectif c'était d'atteindre, supposons, ce point ici central, et il dit, s'il m'arrivait de tirer, et qu'au lieu d'atteindre ce point jaune, et j'atteignais juste un centimètre ici à côté, il dit, mon fusil a besoin d'un réglage. Je n'ai pas atteint le but que j'ai poursuivi. Mon but à moi, ce n'est pas de taper à côté, mais d'atteindre l'objectif. Alors mon fusil a besoin d'un réglage. Et il dit ceci, si je manque d'être fils ou bien fille de Dieu, je dois subir un réglage. Et il dit, qu'est-ce qui nous règle? C'est l'écriture. Amen. C'est la parole qui règle l'individu. C'est ça le talent des mesures. Alors la mondanité, là, c'était une base qu'on avait posée. La mondanité, c'est tout ce qui a trait à la popularité, à la tendance actuelle. C'est tout ce qui est brillant. Tout ce qui est attrayant. Tout ce qui est conforme à ce siècle présent. Frère Branham dit, le diable, comment est-ce qu'il s'y prend? Parce que là où il y a la parole de Dieu, son esprit, l'antichrist est aussi là. Satan n'entrera pas ici pour nous dire qu'il est Satan. Il ne viendra pas me dire qu'il est Satan. Mais pour me voir, pour t'avoir sous son emprise, sous son contrôle, il s'introduit par la séduction d'une manière sournoise et subtile, toujours par le raisonnement. Écoutez, frère Branham, le conflit entre Dieu et Satan. Mondululu angacha Zambi ni Satan. Paragraphe 63. Il dit Satan en Éden. Satan et la première fois,
quand il a lancé ses attaques pour attaquer la personne, comme il savait que les enfants de Dieu étaient à l'abri, fortifié par cette parole, alors Satan a attaqué la parole. Voyez, il n'a pas du tout attaqué l'être. Il a d'abord attaqué la parole. Regardez comme il est sournois. Ce lézard, voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Premièrement, il ne peut pas s'avancer en disant à de quelqu'un. Il ne peut pas s'avancer pour dire de quelqu'un. Eh bien, ce n'est pas une bonne personne. Il ne peut pas dire ça. Il dira, c'est une bonne personne. Voyez. Mais la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à nier cette parole. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à nier cette parole. Donc Satan a essayé d'attaquer la parole dans le jardin d'Éden. Alors il lui fallait utiliser quelque chose qui pour l'être humain serait plus attrayant que cette parole. Voyez, il lui fallait quelque chose qui serait pour l'être humain plus attrayant que la parole. Et savez-vous ce qu'il a utilisé? Le raisonnement. Ce que nous appellerons tout simplement le bon sens. Alors voyez, c'est ce qu'il a utilisé. Et il a réussi. Retenons bien cette citation. Il s'est introduit. Il n'a pas attaqué la parole. Il n'a pas attaqué l'individu. Mais la parole. Pour amener l'individu à nier la parole. Et là-bas en Éden, il a réussi. Et aujourd'hui, il n'a pas croisé les bras. Il a réussi en Éden. Et dans cet âge, si Frère Branham dit, Satan, il est le dieu de cet âge. Satan, Zambi, il dit, il n'a pas été le dieu de l'âge de Noé. Il dit, il n'a pas été le dieu de l'âge de Moïse. Il n'a pas été même le dieu des autres âges passés. Branham dit, Satan, il est le dieu de cet âge-ci. Satan, quel âge? Celui de l'Odyssée dans lequel nous vivons. C'est Satan qui en est le dieu. Satan. Écoutez, Frère Branham. Téléchargez-moi, Branham. C'est dans la prédication l'Éden de Satan. Vous dites déjà ni Éden ou diabolo. C'est pas où est-ce que je l'ai mis. Bon. Je crois que je peux bien le retrouver après. Satan est le dieu de cet âge-ci. Satan a dit Zambi ou Chikondo Chitudi. Il s'y prend toujours par la ruse. Comme il a fait les âges passés, il a atteint l'apogée de son œuvre dans cet âge. Le frère Manam dit ceci est le tout dernier âge. Pourquoi? C'est parce que c'est dans cet âge-ci que l'enlèvement doit se faire. C'est dans cet âge-ci que le parfait est venu. C'est dans cet âge-ci que l'époux sera semblable à son époux. Amen. Car c'est dans cet âge-ci que Daniel avait vu au loin et il avait salué. Tous les autres avaient vu cet âge et il avait salué au loin. C'est l'âge de la perfection, l'âge de l'ouverture entière de la parole où Dieu a donné à l'homme
qu'il y a de plus important. La parole de l'heure. Maintenant, retenons bien ceci. Comme Dieu s'est totalement dépouillé, quand ça déploie dans cet âge, Satan aussi s'est entièrement déployé. Mais il semble que les gens ne sont pas attentifs pour les reconnaître. Car Satan, c'est un esprit. Comment est-il en train d'opérer dans l'église? Je crois que je pose les bases pour mes frères qui viendront après moi. Comment Satan est-il en train d'opérer dans l'église? Nous sommes dans la prédication les esprits séducteurs. Frère Branham dit ceci. Le paragraphe 70. Il dit maintenant aujourd'hui, tant de gens écoutent les codes du dimanche, là j'aime ça. Regardez. Tant de gens écoutent les esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Il dit, des esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Et ils pénètrent dans des lieux. Amen. Amen. Soyez attentifs. Les démons pénètrent dans des lieux. Et ils s'introduisent parmi les hommes. Les ministres. Ils s'introduisent parmi les membres d'église. Je suis en train de lire Branham. Ils s'introduisent parmi des braves gens. Et ils les entraînent dans une allusion. Et ils disent des choses. Et ils font des choses. Et ils enseignent des choses. Et ils disent et ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ces esprits qui entrent dans les gens. Les démons pénètrent parmi les membres d'église, dans les prédicateurs, les ministres. Partout ils entrent, les démons. Frère Branham dit ceci. Satan n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Il envoie ses esprits séducteurs qui entrent dans des gens, qui font que des gens puissent dire des choses, faire des choses, pratiquer des choses contraires à la parole de Dieu. Ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le diable. Notre objectif, c'est être des fils et des filles de Dieu. Manquer cela, nous avons péché. C'est ça le problème aujourd'hui pour l'église. On ne se rend pas compte de ce que nous sommes actuellement. On ne se rend même pas compte qu'on est saisi par des esprits séducteurs qui nous poussent à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. J'aimerais bien rester dans l'esprit de la prédication. Nous parlons sur la mondanité. Je viens à l'église. Toi soeur, tu viens à l'église pour chercher à adorer Dieu. Et la parole nous a enseigné comment est-ce que nous devons nous comporter. Nous sommes enseignés comment on doit se vêtir. Nous sommes enseignés comment est-ce qu'on doit se coiffer. Nous sommes enseignés comment habiter avec nos épouses, nos enfants. Comment avec le voisin. Mais il arrive que à cause des démons, des esprits séducteurs qui pénètrent parmi les membres d'église, tu ne te rends même pas compte que tu es saisi par un esprit mondain. Laodicée aveugle et nue.
Là où des gens pauvres butaka. Et tu ne le sais pas. Kubumani buina. Tu dis que je suis riche. Wabeni ndumubaji. Toi qui me suis sur internet. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de internet. Tu dis que je suis riche, j'ai tout. Wabeni ndumubaji quand j'ai du bien. Notre église est la plus grande église. Même ndine église mune. Nous avons des évêques. Tu dis bah biscop. Je parle bien n'importe quelle manière. Tu vois comment le monde mais c'est contraire à la parole de Dieu. Tu vois les gens qui vont dans les on adore Satan sans le savoir. Ya, ben dis pas qu'on couille le diable. Quand ben ils vont comment ils vont tout couiller un diable. On adore Satan sans le savoir. Parce que nous sommes saisis par l'esprit séducteur. Mais notre souci est d'élever la conscience de chacun de nous. Pour savoir où est-ce que j'en suis, où est-ce que tu en es. Par rapport à la parole de Dieu. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'un mensonge qui séduit? Qu'est-ce qu'un mensonge qui séduit les gens? Il dit, ce n'est pas un mensonge qui est présenté comme un mensonge. Mais il dit que c'est un mensonge qui contient 99% de vérité. Un mensonge exposé. Comme un mensonge, personne ne va être attiré dans ça. Un mensonge qui contient 99,9% de vérité. Voilà ce qui séduit les gens. Voilà ce qui captive les gens. Nier une seule parole de Dieu, c'est ce qui a entraîné la mort. Alors, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelle est la bouche de Dieu pour cet âge-ci? C'est Frère Branham. La bouche de Dieu pour cet âge. Oh, dans cet âge, pour vaincre la mondanité, nous devons vivre de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Régner une seule parole sortie du prophète de Dieu, c'est la mort. Même si tu as fait 30 ans dans le message, même si tu as des expériences avec Dieu, mais régner une seule parole, c'est la mort. Dieu n'est pas un grand-père. Ce n'est pas un vieux père avec un gros ventre bellonnant. Pensez qu'il est là avec une barbe en train de manger des gâteaux. Non, Frère Branham dit, Dieu n'est pas un grand-père, il est un père. Dieu n'a pas de petit-fils. Il n'a même pas de petite-fille. Dieu a des fils et des filles. Celui qui brise sa parole, il subira le châtiment. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas de fils, il n'a pas de petite-fille. Il n'a pas de petit-fils. Et il fait exception des personnes. Ces esprits s'introduisent parmi les gens. Amène le croyant à s'habiller de n'importe quelle manière. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Toi qui les fois passées, on peut à faire la distinction entre les sœurs du message et les dénominationnels. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils adorent Satan sans le savoir. À Kinshasa là-bas, il y a une expression qu'on parle. Les brassi et les braka. Branham akala, Branham asika. Quand on voit l'habillement des sœurs, la manière de se coiffer, de se vêtir, et disent que nous suivons la tendance moderne. Quelle tendance moderne, sœur? Quelle manière de se coiffer? Les chaussures qu'elle porte actuellement, cela froisse nos cœurs. On ne sait même plus si c'est une sœur du message ou une sœur dénominationnelle. Hier, le pasteur qui a prêché, il savait bien préparer le terrain.
Excusez-moi. Mais là où il y a le mal, c'est là que commence notre prédication. On ne peut pas tolérer de telles choses dans l'église de Dieu. Église, réveille-toi. Tu ne sais pas que tu as déjà été pris par l'esprit séducteur. Écoutez ce que frère Branham parle. Comment est-ce que le diable est en train d'opérer encore? Comment est-ce qu'il opère? La question est réponse du 23 décembre 59. Paragraphe 42. Il dit, et le diable veut nous prendre sous son contrôle. Son contrôle à lui pour nous faire agir sous sa conduite. Le diable te cherche. Le diable te cherche. Il ne va pas te laisser tranquille. Reconnais bien cela. Il veut nous avoir sous sa conduite, être sous son contrôle. Mais regardez maintenant comment est-ce qu'il opère. Donc d'abord, sous une forme atténuée, il introduit le péché. S'il peut maintenir cet homme dans cet état, un homme juste, un homme bon, simplement le laisser continuer à essayer d'être bon. Comme ça, s'il peut le maintenir comme ça jusqu'à sa mort, c'est tout ce qu'il veut. Il le tient. En effet, peu importe combien vous êtes droit, combien vous êtes bon, combien vous êtes d'une haute moralité, combien vous êtes vertueux, combien vous êtes honnête, vous n'arriverez jamais au ciel à moins d'être né de nouveau. À nous. Jésus l'a dit. Alors, il faut que vous naissiez. Il faut que vous soyez régénéré. Sinon, vous ne pourrez jamais en aucun cas entrer au ciel, ni jamais venir à Christ. Il dit ceci. Donc, fumez la cigarette. Il dit, c'est le diable qui est derrière ça. C'est sa petite forme atténuée. Maintenant, s'il voit que vous êtes futé, suivez bien ici cette pensée. Fumez la cigarette. C'est la petite forme du diable atténuée. Mais s'il voit que tu deviens futé, tu cherches un peu à le comprendre, à le repérer. Et écoutez, frère Branham. Si vous voyez que vous êtes futé et que vous allez voir clair là-dedans, il ne poussera jamais les choses plus loin. Il s'arrêtera à la cigarette. Voyez, pourvu qu'il arrive à vous maintenir là, le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il puisse vous prendre, vous ôter la vie, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas partir avant que Dieu l'ait dit. Mais vous entendrez un serment après l'autre, un message après l'autre, un argument massu après l'autre à ce sujet, un avertissement après l'autre à ce sujet. Tu entendras encore l'évangile, l'avertissement, tu es en train de l'écouter. Tu suis les orientations. Mais
avec ce petit péché chéri que tu as, cette nature que la parole n'accepte pas, que tu conserves encore et que tu marches avec ça pour dire c'est mon péché chéri. Comprends bien, c'est ça Satan qui est sur toi. Il ne veut pas t'amener plus loin si tu veux le comprendre. Ça commence peut-être. Peut-être par un habillement sexy. Son but est de pouvoir te prendre, sœur. Son but c'est de te prendre. Frère, son but c'est de pouvoir te maintenir sur sa conduite. Il ne peut pas laisser l'église tranquille. Son but c'est de pouvoir être adoré. Mais pour y arriver, il s'introduit sournoisement. Par quoi? Il t'amène quelque chose qui est contraire au message de l'heure. Juste un verre. Juste une cigarette. Juste regarder les images sales. Cette copine que tu as là à l'université. L'habillement que tu as, sœur. Vêtements sexy. Tu es moulé à l'intérieur et toutes les parties de ton corps sont visibles. Est-ce que tu as une marchandise? On te vend à combien? Dites-moi. Mais dans le message, chaque jour tu es ici, tu écoutes la parole, tu entends les avertissements, serment après serment, mais tu ne te rends pas que tu as déjà pris par un esprit séducteur. Et c'est ça Satan qui t'a déjà pris. Tu ne te rends même pas compte. Mon cœur sans cesse est froissé. Dans le message, je commence à remarquer les hauts talons. Et il y a aujourd'hui un langage qui dit chaussures avec, comme crayon. Crayon. Elle marche, mais c'est comme si elle était en train de se tortiller. Et elle s'entre dans l'église. Même chanter devant les gens. Où sommes-nous, église? Vous venez là, vous tortillant. Est-ce que c'est ça un spectacle qu'une fille de Dieu doit avoir? Alors, la Bible dit, les filles de Sion marcheront sur la pointe de leurs doigts. Frère Balaam a dit, elles feront résonner leurs hauts talons. Je vais vous les lire. Ce sont des choses qui sont entrées dans l'église. Et on ne se rend même pas compte qu'on a déjà pris dans ça. C'est ça le diable. Il vous amène tout ce qui est contraire à la parole de l'heure. Écoutons frère Branham. Parce que cet esprit antichrist se développe. Il dit ceci. Dans le signal rouge, Simbe sa venue. Paragraphe 116. Il dit, Esaïe parle du niveau qu'atteindrait l'immoralité des femmes dans les derniers jours. Comment elles s'habilleraient? Comment elles arrangeraient leurs cheveux? Et tout comme cela, la Bible en parle dans Esaïe 5. Comment elle marcherait avec des souliers à hauts talons, faisant résonner les talons. Comment elle roulerait leurs bras et tout ce qu'elle ferait avec beaucoup de parures et des vêtements de rechange et des histoires semblables. Je parle un peu aussi sur le rêve de la maman de frère Branham. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Frère Branham parle qu'une fois, sa maman avait fait un rêve.
Et il dit ceci. Je me rappelle quand j'ai commencé à prêcher. Au début, il y a bien des années de ça. Nous habitons juste ici sur la route. Juste un peu plus haut. Je prêchais ici même à cette église. Elle a fait un rêve dans lequel je m'étais mis debout ici. Près de trois marches. Et j'étais là, prêchais à tout le monde qui devait monter ces trois marches avant qu'ils arrivent sur le chemin. Et sur le chemin, il y avait un genre de petite ligne blanche nacrée qui allait directement aux portes du ciel jusqu'à la porte de perles. Cette perle avait été étirée jusqu'en haut des marches. Nous sommes en 234. Il dit, une dame est venue. Maintenant, vous savez quel genre de souliers les gens portaient il y a 35 ans. Une dame est venue. Elle portait une énorme paire de souliers semblable à ceux qu'elle porte aujourd'hui, à talons aiguilles. Et elle est passée. Et j'ai dit, un instant seul, vous ne pouvez pas marcher sur ce chemin avec ça. Et je dis, vous ne pouvez pas faire ça. Et elle a dit, ah. Elle a dit, ah. Elle a dit, elle s'est retournée vers les autres femmes. Elle leur a dit, ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Tu peux dire aussi, ne croyez pas Branham. Ne le croyez pas. C'est un fou. Voyez, ne le croyez pas. Je vais vous montrer que je peux être justifié, sanctifié et rempli du Saint-Esprit et quand même marcher comme ça. Et elle, je l'ai simplement laissé aller. Je ne pouvais rien faire de plus. Je ne pouvais pas l'arrêter. Et elle s'est précipitée sur le chemin. Elle s'est retournée pour regarder la sœur. Elle a dit, tu vois, je t'ai dit. Elle a commencé à courir sur le chemin. Vous savez comme la Bible le dit, dans Ésaïe chapitre 5, qu'elles auraient le cou tendu. Forcément, elles sont renversées en arrière. Voyez-vous? Voyez-vous? Elles vont à petits pas. Forcément, il faut qu'elles se tortillent. Elles vont à petits pas en faisant résonner leurs talons. Voyez-vous les filles de Sion au dernier jour? Elle a commencé à monter le chemin en courant à toute vitesse. Et au bout d'un moment, la route devenait de plus en plus étroite. Elle a commencé à vaciller en allant de petits pas comme ça. Et la voilà qui quitte le chemin. Et maman a dit, les cris les plus horribles que j'ai jamais entendus de ma vie, c'était ceux de cette femme. Elle a dit que je me suis retourné et j'ai dit, alors elle tombait dans les flammes et dans la fumée. Frère Branham dit, elle n'avait pas obéi. Elle a obéi à tout sauf à une parole. Voyez-vous, tout sauf à une parole. Et ensuite échoué. La parole de Dieu montre ce point. Mais comme c'est la tendance actuelle moderne, tu dis, je peux toujours mettre 600 Ferrari. Reconnais bien,
tu es sous l'emprise du diable. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours mis des pièges. Pour nous avoir, il met toujours des pièges. J'ai fouillé un peu le dictionnaire sur ce que c'est un piège. Écoutez ce que le dictionnaire dit sur piège. Piège signifie ceci. Piège, dispositif qui sert à prendre les animaux. Instrument, machine, dissimulé dont on se sert pour prendre les animaux. Comme le loup. Dispositif dissimulé. Ou d'aspect inoffensif. Destiné à prendre par surprise un adversaire pour le blesser ou le tuer. Embûche. Artifice dont on se sert pour attraper les animaux. Lorsqu'on était enfant, on mettait des pièges à souris. Pour attraper une souris, on doit mettre un appât. On met un morceau de viande. Et dès que la souris vient, elle ne sait même pas que c'est un piège. Elle est attirée par l'appât. Dès qu'elle mord l'appât, le piège l'attrape. Et c'est ce que le diable fait avec vous. C'est ce qu'il fait avec l'église. Il vous offre quelque chose d'attrayant. Des succulents. Par lequel il doit avoir l'emprise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met un piège. Avec quoi? La télévision. La télévision. Télévision, tu sens chamouen. Ça semble être inoffensif. Tu me regardes quand tu es né bubito. Ça semble être léger. Tu me regardes une chute. Inoffensif, simple. Tu fais peur le bouchon. Mais la télévision, c'est un instrument du diable aussi aujourd'hui. Ah, quand dit télévision, tu as vu le diable. Tu me diras que tu suis le programme censuré. Nous on a bien le temps. Dindonda, ma bintu bi koko bilonde chela. J'ouvre la télévision. Dikangula. Je suis les informations. Dindonda nous mumu. Si tu n'es pas assez régénéré. Ah oui, quand le web dans les informations. Vous voyez nous mumu moi. Une femme nue apparaît. Moka jibutaka umwe. La télévision que tu suis. Quand c'est une télévision web de l'on. Nous devons savoir. Tu dis tiens bon comment y'en est. Comprendre. Kumvani. Quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui concernant la télévision? Zambi udini mwenye nukai. Lele hachitangi la télévision. Vraiment, pardonnez-moi pasteur. Fais la quoi le sa pasteur. J'aime beaucoup respecter l'hospitalité. Ntu ntamba kunemeka jakidila. Mais j'ai un souci dans mon cœur. Kadi ndini kuri bunto nda mwoyem. Qu'est-ce que Frère Branham parle de la télévision? Télévision. Que nous avons chez nous à la maison. Que nous suivons. Écoutez, Frère Branham. Sur la télévision. Je crois que quand mon temps est arrivé, je vais arrêter. Il dit dans l'invasion des États-Unis. Paragraphe 109. On découvre que on a 30 000 convertis en 6 semaines. Donc je saute pour gagner le temps. Le monde par le moyen de la télévision, de la radio, du cinéma, par tous ces points d'accès, a corrompu cette nation avec les âneries. Les âneries d'Hollywood. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable. C'est le diable, l'invasion.
diable. Il a pris ce pays d'Assos comme un lion rugissant. Il s'est installé ici. C'est ce qu'il y avait de mieux comme endroit à Hollywood. Il a dit, je peux prendre le contrôle du cinéma ici jusqu'à ce qu'il y ait la télévision. Et à ce moment-là, je les aurai. Par la télévision, Satan a dit, je vais vous avoir. Je les aurai. Et il s'est établi là-bas. Et les gens d'église, au lieu de faire fermer le cinéma et de ne pas permettre à leurs enfants d'y aller, maintenant ils n'ont qu'à allumer la télévision et ils peuvent tout y regarder, toute la saleté, les âneries qu'il y a dans le monde. C'est exact. Il dit, je n'ai rien contre le cinéma. Je n'ai rien contre la télévision. C'est la pourriture qu'on y présente. C'est ça qu'il y a. Là, c'est la première citation. Maintenant, la dernière citation du prophète. Dans la puissance de Dieu pour transformer. Paragraphe 116. Il dit, nous sommes locataires chez une femme qui a une télévision dans sa maison. Je n'ai jamais eu l'intention d'en avoir une dans ma maison. Certainement pas. Je ne veux pas de cette affaire dans ma maison. Je la ferai sauter avec mon fusil de chasse. Je ne veux rien avoir avec cette mauvaise chose. Laissez-moi vous parler, vous habitants de l'Arizona. Vous avez vu l'autre jour les résultats de l'enquête mené dans des écoles, n'est-ce pas? 80% des élèves des écoles d'Arizona souffrent de la déficience mentale. Et pour 60% d'entre eux, cela est dû au fait qu'ils regardent la télévision. Qu'en pensez-vous? Mais vous feriez mieux d'utiliser votre fusil de chasse. Vous voyez? Eh bien, ne laissez pas le diable vous vaporiser avec cela. Par la télévision, le diable a dit, je vais vous avoir. Auparavant, on allait au cinéma. Maintenant, on a la télévision à la maison. Nous sommes en train de copier l'habillement de la télévision pour le mettre sur nous. Et c'est chrétien. Le langage a changé. Dans mon téléphone, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le diable est très malin. Il a encore progressé. Il avait l'internet dans nos téléphones. Quelles sont les causeries que tu as? Les images qui doivent le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ce n'est plus le cinéma. Maintenant l'internet. Internet. Oh, je pense. Dans l'Ancien Testament, le signe lorsqu'il était appliqué, c'était appliqué sur le linteau, au-dessus de la maison. C'est très important aussi que les parents soient dans ces réunions pour connaître comment instruire les enfants. Le signe était appliqué sur le linteau.
C'était la preuve qu'à l'intérieur cela était gardé. Et frère Branham dit le signe devait être une marque visible. Quand j'ai le Saint-Esprit, quand le signe est appliqué, le signe est appliqué sur moi et dans ma maison. Dans ma maison, le signe est aussi appliqué. Tout ce qui est ordure dehors. Les cartes dehors. Les jeux d'argent dehors. Loterie. La télévision dehors. C'est ça, la télévision. Les images impures dehors. La mondanité dehors. Pourquoi? Parce que je suis inconsacré. Pourquoi? Parce que je ne suis plus du monde. Quelque chose s'est passé à l'intérieur. Et l'intérieur doit manifester aussi de l'extérieur. Un véritable croyant qui a le signe appliqué prendra la parole de Dieu et aussi l'appliquera dans sa maison. Mais causerie inutile, plaisanterie grossière, dehors. Si réellement tu as le signe, tu prendras Satan. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu les mettras dehors. Frère, je me rappelle. Pour terminer, lorsque dans sa maison, on était venu pour faire la peinture, un homme était en train de jouer la musique rock'n'roll. Dans la maison de Frère Branham. Quand il est venu, il lui a dit, monsieur, éteins cette radio. Si tu veux faire le travail, jette ça dehors. Je suis dans le message. Tu es dans le message. Qu'est-ce que tu es par rapport au miroir de la parole de Dieu? C'est vrai, le monde, tu l'as quitté pour parvenir à Christ. Mais tu n'es pas parvenu à Christ. Parce que Christ est la parole. Quelle parole? Le message de cette heure. Frère Branham dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Il dit, je serai libre de votre sang. C'est toi et la parole. Tu seras confronté au jour du jugement. Soyez en éveil. Église, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur nous, église. Ben, on ne peut pas lire encore parce que le temps est terminé. Il dit, si l'église du temps de la fin parvenait à discerner comment l'esprit antichrist opère aujourd'hui, il dit, cette église sera une armée invincible. Parce qu'elle a la révélation de ce que Dieu et de ce qu'est l'antichrist. Soyez en éveil. Passez l'avertissement. Ne laissez pas quelque chose d'impur venir souiller votre corps. Tu es le temple du Saint-Esprit, précieux aux yeux de Dieu. Il est mort à la croix. Il a versé son propre sang pour racheter ta vie. Mais frère Branham dit, si tu as des difficultés, tu ne sais que faire. Tournez vos regards vers le calvaire. C'est le calvaire qui est la réponse à toutes choses. Parce qu'il a dit que ce jour-là au calvaire, la question du péché a été réglée une fois pour toutes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Peut-être que tu ne savais pas.
que tu étais pris par un esprit séducteur. Le diable s'est déjà infiltré. Tu ne t'es même pas rendu compte. Si la parole de Dieu t'a touché, on peut s'incliner. Restons silencieux, c'est un moment sacré. Soyons silencieux, arrêtez les sifflets. Inclinons nos têtes. Mets nos cœurs devant le Seigneur. Dans la vision préalable, frère Branham dit, lorsque l'épouse du temps de la fin était réapparue, elle marchait, c'est vrai, au rythme de l'évangile. Mais frère Branham dit que j'ai remarqué deux ou trois qui sortaient de la ligne. Il dit, j'ai crié, rentrez en ligne, rentrez en ligne. Et la voix de frère Branham n'est pas morte. Frère Branham, sa voix est là. C'est la voix de Dieu dans les bandes. Et il a dit que nous devons répéter ce que disent les bandes. Et en tant que ministre de l'évangile, nous ressortons cette pensée. Peut-être tu avais commencé à sortir de la ligne. Ce matin, Dieu te dit, ma soeur, retourne à la ligne. Retourne à la parole. Soyez au pied du calvaire. Écoutez, ne priez pas encore. Soyez calme. Soyez calme. Si quelqu'un ici, la parole l'a touché et qu'il est déjà pris dans ces choses, dans la mondanité, et qu'il veut qu'on puisse prier pour lui, je ne demande pas de venir ici à l'hôtel. Mais là où tu es, que ton lieu soit ton hôtel. Lève la main si tu veux être assis à la prière. Si la parole t'a touché et que tu étais saisi par un esprit séducteur, tu ne te rendais même pas compte. Tu vivais différemment de la parole de Dieu, de ce message. Lève ta main. On appelle notre pasteur à venir prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour cette parole, cet avant-midi, Seigneur. Nous recommandions ces réunions entre tes mains, Seigneur. Chacun a reçu sa part au Dieu. Maintenant, il y a de tes enfants qui avaient été attrapés par la ruse du diable. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions, ô Dieu, de pouvoir libérer et délivrer tes fils et filles qui ont été prises par ces pièges. Seigneur, nous te remercions pour cette première partie, Seigneur. Et nous croyons, ô Dieu, c'est une semence qui vient d'être placée, Seigneur. Affranchis chacun de nous, Seigneur, dans n'importe quel piège où il a été tombé, Seigneur. Seigneur, ces réunions ont été dédiées entre tes mains. Et chacun, par ton esprit, Père, qu'il y ait des fruits dignes de la repentance. Nous te bénissons pour cela, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande intervention.